Il peut mettre ma cravate, mais c'est pas grave. À toi, Stéphane. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Hélène, convoqué à 19h30 le 5 mai 2020. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur pour l'ordre du jour. Je propose. Régent Rajot. Régent et Martin. Adoption du procès-verbal. Considérant que chaque membre du conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance du 7 avril, ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin. Pierre. Martin et? Pierre. Pierre. Point 6.1, compte à payer. Vous avez examiné tous les comptes à payer. Avez-vous des questions? Il y en a tellement. Il y a tellement de questions. J'essaie de l'ouvrir. On va fermer ça. On va regarder. Ah, oh, je l'ai. Masque. Des incarcérations, on paye tout ça à chaque fois qu'il y a une désincarcération. On n'a pas les pinces. C'est ça. Quand ils doivent venir, il faut les payer, on n'a pas le choix. OK. C'est Saint-Hyacinthe toujours, en plus. En même temps, il me semble qu'il y avait des pinces à Saint-Hélène. Hein? Non. Hein? Vos questions pour les comptes à payer? C'est beau. C'est bon, Martin. On va prendre un proposeur et un secondeur. Martin? Oui. Mathieu. Mathieu. Le 6.2, c'est un dépôt seulement. C'est la directrice générale par intérim qui pose un rapport. Le rapport compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois. C'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé. 6.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet, un montant de 650 000 $ qui sera réalisé le 12 mai 2020. Un renouvellement de prêt. C'est un prêt qui couvrait quoi comme actif, ça? C'est l'eau potable. L'eau potable. Un proposeur et un secondeur. Pierre. Pierre. Régent. Règlement d'emprunt 360-2008, soumission pour l'émission de billets. C'est l'ouverture qu'il y a eu pour le 651 000, c'est la Banque nationale qui l'a eu. OK. Oui, le taux d'intérêt était quand même une bonne différence avec les autres. Bien, c'est que la différence, c'est qu'eux autres, le prix est à 98,32 au lieu de 100. Fait qu'il y a un montant qu'on doit défrayer. Mais par contre, Sylvie l'a calculé, ça revient à peu près à 2,17. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit plus bas, parce qu'on donne du cash flow. Okay. Oui, il m'en est content, autrement dit. Exact, c'est ça. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin. Jonathan. Martin et Jonathan? Oui. Règlement 556-2020, modifiant le règlement numéro 554-2019.
Règlement établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation 2020, ainsi que les conditions de perception. Considérant que la municipalité de Sainte-Hélène a adopté un règlement établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation, ainsi que les conditions de perception applicables pour l'année 2020. Considérant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourraient devenir précaires en raison de la COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours. Considérant que la municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt applicable à toute créance qui lui est due. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du conseil municipal tenue le 7 avril et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette séance. Conséquence, ça prend un proposeur et un second. Mathieu propose. Déjà un second. Une question, Sylvie, s'il te plaît. Oui. Avez-vous eu des personnes qui ont manifesté le désir de prendre un arrangement? Pas des arrangements, mais. Non. Ils n'ont pas reçu encore le compte. La deuxième portion n'est pas arrivée encore. Fait que. Je ne peux pas savoir s'ils vont payer ou pas. Je n'ai pas eu de nouvelles de rien. OK, c'est bon. Bonne nouvelle, là, qu'ils disent. Là. On verra. 6.6. État financier 2019 de la municipalité. C'est un dépôt. Considérant que le dépôt des états financiers de la municipalité pour l'année 2019 par les vérificateurs externes. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Pierre. Proposition d'assurance de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement, non-renouvellement, Chapdelaine Assurance et services financiers. Et qu'on ne renouvelle pas l'assurance pour les prêts environnement. Fait qu'on prend un proposeur et un secondaire. Régent. Régent et? Yeah. C'est quoi cette assurance-là exactement? C'est s'il y avait un déversement dans notre nappe phréatique ou quelque chose comme ça? Ça peut être côté environnemental, notre puits d'eau, un déversement de. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. C'est quelque chose que nous, on aurait causé? Peu importe la cause, je pense. Je pense que oui, c'est ça. Dans le fond, c'est. C'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir. Ils n'ont jamais eu de réclamation. Je me suis informée. Ils n'ont jamais eu de réclamation encore là-dessus. Puis ça coûte 6 590 par année. Mais mettons, un truck de l'OMEX qui s'est déversé dans le milieu de la rue, ça a coûté des frais. Ça, c'est l'OMEX qui a payé. Mais... Oui, puis on a une assurance en fait là aussi. On a. OK, fait, c'est une assurance par-dessus une autre assurance. Ben, en tout cas, tu sais, vous savez, c'est quoi des assurances, hein? Oui. Si t'as peur, ben, ils vont te trouver quelque chose pour comprendre. Parce que c'est nouveau. Ça fait peut-être 2-3 ans que ça existe. Ça fait des années qu'on est au municipal et qu'on n'a jamais eu. C'est correct. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire corriger Mme Véronique Pichet, DG, dans ce papier-là. Je comprends pas, là. Non, ben, c'est parce que c'est adressé à Mme Véronique. Ah! OK, non, c'est parce que c'est l'ancien papier de l'année passée, ça. OK, parfait. OK. Point 7, travaux publics. 7.1, avis de motion des dépôts d'un projet règlement 557-2020, abrogeant le règlement numéro 553-2019, relatif à la circulation, stationnement et immobilisation de véhicules routiers au stationnement public, au terrain public, au stationnement d'édifices publics, aux arrêts, aux limites de vitesse et aux défenses de stationner. C'est plus pour interdire qu'il y ait un auto ou un camion qui stationne là plus que 20 heures de temps. Autrement, on n'avait pas de pouvoir de légiférer, mais là, avec ça, c'est pour ajouter ça, là, qu'il n'y a pas le droit d'être là plus que 20 heures de temps. Puis qu'il ne peut pas dire ben, je vais avancer d'une case de stationnement. Oui, exactement. Ça, c'est le deuxième, c'est ça. C'est-tu bon dans toutes les places de stationnement qu'on a municipales? Aussi, ils sont dedans. Oui, stationnement municipal aussi. Aussi. Donc, c'est juste l'avis de motion.
Oui, ça va prendre une personne seulement. Jonathan. Achat d'un souffleur tracteur John Deere. Considérant qu'un souffleur doit être installé sur le tracteur John Deere acheté pour la saison prochaine hivernale, considérant que les demandes de prix effectuées, que la soumission de la compagnie Normand Limitée soit retenue pour l'achat d'un souffleur normand au coût de 6 741,92 plus taxes. La dépense sera effectuée au fonds de roulement et sera remboursable sur 5 ans à partir de 2021. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Une question. C'est-tu parce que le souffleur qu'il y avait sur le Kubota n'est pas adaptable? Non, parce que lui, il y a une main à ça. Tu peux pas, c'est pas le même souffleur partout. Ça, il est frontal. Celui que le nouveau, le John Deere, ça peut être frontal. Frontal. Il est frontal, mais il spin comme une hydraulique en arrière, mettons ton tracteur, si ça en a pas ça. Quand tu cadres le Kubota, c'est une main à ça. Ouais, je comprends. C'est beau. Ouais, il était fixe, comme on dit. Il était... C'est beau. Pas donné, là, mais c'est bon. Ouais. Puis 5 pieds de large, même pas. 50 pouces. C'est cher pour 50 pouces, par contre. Ouais. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Propose. Qui a parlé? Régent. Secondaire. Pierre. .3, ministère des Transports, contrat de déneigement et de déglaçage. Considérant la communication du 16 avril, considérant la durée du contrat 2020-2021, avec possibilité de renouvellement pour 2021-2022, 2022-2023. Il est résolu à l'unanimité de permettre au maire et à la directrice générale de signer pour le contrat avec le ministère des Transports pour le contrat de déneigement et de déglaçage pour la partie de rue principale pour une durée de 24 semaines avec 2 ans de possibilité de renouvellement. On prend un proposeur et un secondaire. Martin. L'entente est similaire à ce qu'on avait dans le passé, c'est ce que je comprends. Oui, ouais, exactement. Un petit peu plus cher cette année. Ben, il faut, parce que tout augmente. Oui. Parce qu'on a gardé notre cas. L'année passée, il était 3 458, puis cette année, ça va être 4 246. Qu'est-ce que tu veux dire, Bertrand? On a gardé notre on est coté. Tu peux perdre ta carte, tu peux descendre, mettons, à B, puis quand tu vas renouveler ton contrat, tu vas être moins. Vas être parce que la job était bien faite, puis les autres, ils l'ont coté. C'est ça. Et le proposeur? Ben, il me semble que pas Jonathan? Non, j'avais Martin. Non. J'ai Martin comme proposeur. Une seconde. Qui a parlé? Jonathan. OK. C'était juste pour la principale. Oui. C'est juste pour la rue principale. Oui. Malheureusement. Il est parti au ministère. Rien que ce petit bout-là, puis il est parti. C'est pour ça que je ne comprenais pas la cote. Ce n'est pas eux autres qui le font. C'est bien fait, mais c'est eux autres qui le font. Non, mais ils t'appellent si tu ne fais pas bien ta job. Celle-là, tu peux perdre ta cote. C'est nous autres qui le font. C'est eux autres qui le font. Mais il faut que tu le fasses comme qu'ils veulent. Okay. C'est le ministère des Transports qui paye Saint-Hélène pour le faire. Si à 5 heures le matin, c'est glissant, ils vont t'appeler, ils vont dire. Putain, c'est ça. C'est demain qui t'évalue. Bon, on s'en va au point 8, sécurité publique. 8.1. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle et de réponse automatique à protection contre l'incendie avec la municipalité de Saint-Liboire et Horton. C'est la même entente qu'il y avait déjà, là. C'est sensiblement la même chose. Qui décide des frais? C'est des frais préétablis que quand ils viennent dépanner, on paye? C'est ça. C'est une entente déjà qui existait déjà. Puis je l'ai fait voir par Francis. Là, tout est bien correct. Ce que je veux dire, c'est que Sainte-Hélène ne peut pas gérer de chèque à Upton Charles. Là. Quand, mettons, Sainte-Hélène va à Upton ou Saint-Hopton vient à Sainte-Hélène, c'est un prix forfaitaire ou quoi?
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, là. Ah, c'est correct. C'est juste une question même. Je vais te le prendre en note, puis je vais te répondre, OK? Ben, je ne veux pas te dire n'importe quoi, là. Non, bien, c'est sûr que ça s'est prorata au nombre de pompiers qui y vont. C'est évident, ça, là. Ben, c'est ça, c'est ça. Et le truck, mettons, le truck sort, c'est un prix, puis c'est le même prix pour tout le monde, autrement dit, pour toute municipalité. Probablement. En tout cas, c'est correct. Il n'y a pas de presse, là. Je vais te revenir avec ça. Je vais te revenir avec ouais, ça. Ça ne presse pas, là. En fait, si tu n'as pas le temps, ça sera plus tard. C'est correct. Non, mais je le prends en note, puis je vais donner suite pour être donné une bonne. J'ai confiance. J'ai confiance. C'est bon. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour qu'on puisse se renouveler. Pierre, propose. Bien, j'ai un second. Bien. On va aller dans point 10.1 au niveau d'émission au CCU de M. Roger Nantel. Considérant la lettre de démission de M. Roger Nantel en date peu. Au 26 février. Stéphane, on l'a perdu. D'accepter la démission de M. Roger Nantel au niveau du CCU. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Elle est fière, Martin. Martin. Bon, je vais le laisser à Jonathan, c'est correct. 10.2. Okay, on y va pour notre remplacement? Oui. Oui. 10.2, nomination sur le CCU, remplacement de M. Roger Nantel. Considérant la démission de M. Roger Nantel, CCU. Considérant que le mandat de M. Nantel était du 1er mars 2019 au 28 février 2021, il est résolu à l'unanimité de nommer Michel Charon comme remplacement jusqu'à la fin du mandat du 28 février 2021. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Martin. Salut, Jean. Bénin. Tu me texteras, ben, Stéphane, tu me texteras les coordonnées de Michel. OK. Charon. Pour les donner, M. Lessard. Oui. Hey, Sylvie. Oui. Ces coordonnées, on les a aussi en mesure en sécurité civile. Ah, OK, il est là. Bon, c'est parfait. OK. On s'en va. Point 11, loisirs et culture. 11.1, bibliothèque, pour ça d'ordinateur. Considérant que la bibliothèque est désuet. Considérant que la soumission d'accès info datée du 2020. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser l'achat d'un ordinateur pour la bibliothèque au montant de 975 plus taxes chez Accès Info. On prend un proposeur et un second. Martin. Martin. Oui. Jonathan. Appui à la zone Loisirs Montérégie, le groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud et le groupement des associations des personnes handicapées du Chaluit et Yamaska dans leurs revendications. On va prendre un proposeur et un secondeur pour appuyer. Martin? Oui, Martin. J'ai oublié de parler. Secondaire. Mathieu. Mathieu. En 11.3, gymnase, achat et installation, protection murale. Considérant qu'une protection murale doit être installée, le gymnase du centre communautaire au 421 4e avenue. Considérant que la demande de subvention effectuée au Fonds de développement rural a été acceptée pour un montant de 7 $, que la soumission de côté Réno Construction soit retenue au coût de 8 867,49 plus taxes pour l'achat et l'installation des protections murales au gymnase centre communautaire. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin.
On attend. Moi, tu voudrais rajouter Vestiaire aussi. Vestiaire? Le Vestiaire était fait aussi. Bon, c'est dans le gymnase? Non, mais il y avait un autre qui avait solutionné, il va dire que... Ah, OK. Parce que le Vestiaire, il était fait aussi. L'autre, il ne l'avait pas fait. Il n'était pas dedans. Parfait. Je vais l'ajouter. On s'en va au point 14, levée de la séance. On va prendre un proposeur. Jonathan. Jonathan. La date d'exécution des travaux pour le Centre-Com, c'était... C'est fait. On va arrêter l'enregistrement. C'est terminé, la séance? Oui, la séance est levée.